Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, rendez-vous au CIMA le 24 février, c'est le dimanche. On fait deux rendez-vous abonnés. Un premier à midi. Le hall, c'est la ferme digitale, comme vous voyez ici, qui va nous accueillir. Et ça sera sympa, je pense. Ah bonjour Théo! Et il y aura le second rendez-vous à 17 h. Ça sera David Forge qui vous dira tout ça. Mais pour sûr, le premier rendez-vous, il sera à midi au stand Ferme Digital Hall 4 HG012. Bonjour Dimitri. Bonjour Luc. Ah, ça sera une prochaine fois, Luc. Ça sera un plaisir de vous voir tous. Et là, je voulais voir ce que ça a donné en même temps. Ah mince, Dimitri, bah une prochaine fois. On peut pas voir en même temps le truc là. Bonjour Laurent. Je voulais voir si ça marchait en même temps, mais. Ça n'a pas l'air de marcher en même temps que le truc. Bonjour Alex. Mais je voulais voir si ça marchait en même temps que le PC. Quel bordel. Ah bah si, t'es, c'est là. Le live est du. Le live est. Que je coupe le son parce qu'on va m'entendre en double. Bah, paysan heureux, il va le 27. Je vais pas pouvoir y être, moi, le 27. Ah, ça fait marrant, ça. Est-ce qu'on prend pas, moi, par contre? Je peux pas tourner l'écran parce que ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ça fait bizarre quand même. Le live dans le live. C'est là où on vous voit en même temps. Et je voulais aussi vous remercier parce que on a passé le cap des 800. Ouais, combien on est? On est 809. Ça fait super plaisir. Bonjour Tank Size, bah ça va. Bah non, aujourd'hui j'ai fait du maniscopique comme je suis à la COP la semaine. Ah bonjour Val. Bah merci Alex. Et j'ai atteint l'autre jour les 50. Ah, c'est quand on débute que faut tourner. Bah, j'y arrive jamais, moi. Ça me mettait tout le temps. Bah, j'essaierai la prochaine fois. Merci Théo pour le conseil, mais j'ai jamais réussi. Ouais, je travaille en COP en attendant de reprendre la ferme de mon père. Et je voulais aussi vous montrer. Ça doit être un peu flou quand même sur l'écran. Bah merci Tanksize. Je voulais vous montrer sur ma page d'accueil, j'ai fait deux sélections de chaînes. Et il y a la sélection que tout le monde doit aller voir si vous voulez apprendre sur le métier d'agriculteur. Il y a toutes ces chaînes. J'ai réussi à en recenser 40. Et là, sur le live en ce moment. Il y en a deux, Théo et Alex. Ah d'accord, Alex, je savais pas. J'ai tout le temps eu l'écran moi dans quel sens et j'ai jamais réussi
Ce sera l'occasion, ouais, au prochain live d'essayer. C'est dans le coup. J'ai créé, ouais, cette sélection de chaînes. Je pense que ça sera très utile pour retrouver pas mal de monde. C'est bon, il y en a que vous connaissez. Ben, ça marche pas dans quel sens? Y a que quand on arrive là. Oh bah si, c'était sympa les petits lives, Alex. Mais c'est vrai que YouTube, là, tout à l'heure, il a planté deux fois avant que j'installe le live. Et ce qui est intéressant aussi, il y a deux viticulteurs. Ben, moi, c'est évidemment. Regarde. Je mens pas, je t'ai mis en top 1. T'es en top 1 dans les agri-youtubeurs favoris. Et il y a un petit jeune qui est sympa, Raphaël, ma vie d'agri. Et il y a aussi, là je l'ai pas mis, mais il y a Julie Agripation qui a installé. Je sais pas si on peut le trouver là-dedans, dans ce bourrier. Ah, ça a planté, c'est quoi ce bordel? C'est après, il y a tous les. Il y a tous mes abonnements. Bon, allez, on va tourner. Voyez un peu ma tronche. Ah, bah, c'est sympa, Dimitri. Et surtout, comme disait Alex dans son live tout à l'heure, si vous êtes au CIMA dimanche 24, n'hésitez pas à venir nous voir, on va pas vous manger. Ça sera un moment sympa, je pense, à passer. Moi, j'ai demandé à la ferme digitale d'être présent pour qu'il fasse une photo de groupe à midi. Hall 4 H012. Et après, à 17h, avec David Forger et tout le monde, on va faire le gros rassemblement et ils vont faire un live, il me semble. Et ça sera, je pense, au village des startups. Je vais essayer de vous faire. Ah, bonjour, Dani. J'ai essayé de vous faire une petite vidéo de mon petit planning. C'est je me suis fait un marathon. Ben, Val, le CIMA, en fait, c'est le salon du matériel agricole. Et il y a le SIA à côté, le salon agricole, où il y a les vaches et tout ça. Je vais essayer d'aller au SIA quand même. Je vais y passer 2 heures. Ça va être tendu parce que j'ai prévu. Au SIA, j'ai prévu d'aller sur 3 stands. Ah bonjour Laurent, bah ça va. Bah c'est sûr que c'est sympa. Il y a quand même pas mal de youtubeurs maintenant. Là j'en ai recensé 40 qui expliquent leur métier. Bonjour Kylian. As-tu vu être éleveur Dimitri? Bah il en faut parce qu'il y en a. Il y en a pas beaucoup. On avait des vaches nous en 2005, on a arrêté. Et on a besoin d'éleveurs. Ah ben, si tu viens dimanche, n'hésite pas à nous contacter si des fois tu trouves pas les stands. Mais là, j'ai mis dans la description le stand où on sera. Il faudra que je demande exactement à David à 17h où ça se passera le second stand. Ben, on a arrêté parce qu'il fallait se mettre aux normes.
Et faut comprendre qu'un bâtiment aux normes, c'était 150 000 euros qu'il fallait débourser pour qu'on puisse faire un bâtiment à l'extérieur des villages, parce que les vaches, ils voulaient plus en voir dans le village. Et on avait 20 vaches, alors bon, ça s'est fini qu'il n'y avait plus rien. Ah ouais, avant de lancer le live, ouais, j'ai vu la vidéo de Thierry, le petit clip là. Je vous invite à aller le voir, un clip en rapport avec son fils en fait. Parce qu'il y avait eu des moqueries à l'école de ses copains. Et c'est pour ça que Thierry, en 2014, il a lancé de faire les vidéos YouTube. Bonjour Kimi, bah ça va, et toi? Non, Dimitri, c'était des vaches à lait, c'était des Primo-Stein. Et dans le coup, on n'a pas voulu se lancer dans les vaches à viande. Et bon, je pense que... Ah bonjour Olive, la pêche! Bah c'est sûr que c'est pour ça qu'on s'est mis à faire... Moi, j'avais été victime aussi de quelques moqueries qu'on traite de bouseux ou tout ça, mais bon. Ça n'avait pas été au point comme le fils à Thierry. Mais c'est vrai que bon. On voit, on a différents, différents métiers. C'est vraiment divers en France. Il y a même des agri-youtubeurs d'ailleurs. Parce que Yannick Roubati, il est en Suisse. Et il y en a un qui est, je crois, en Amérique. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, d'autre? Bah, c'est sûr, ouais, Laurent, tu as raison. On va essayer de continuer. Là, pour l'instant, j'arrive à faire des vidéos parce que mon père est malade, mais bon. Des fois, c'est pas évident avec mon boulot à côté. Ah, tu vas en stage? Parce que, ouais, t'as 14 ans. Tu dois être au lycée, dans le coup. Parce qu'en formation, ouais, pour vous dire ce que j'ai fait. Ah bonjour Anthony. Bah oui, Kylian, c'est prévu une photo. Moi, je vais faire une photo de groupe au stand Ferme Digital à midi. Et sûrement après, à 17 h, on fera une autre photo de groupe où il y aura vraiment tous les agri-youtubeurs et vous en même temps. Ah oui, troisième, 14 ans. Bah oui, troisième, je suis con. Ouais. Ah ben si, Alex, c'est une petite photo. Tu ramèneras Alfred. Passer des errements dans les vergers. Ah ouais, sous le rang que t'as désherbé les pommiers. Ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bah, ça sera une prochaine fois, Laurent. Il y a un truc aussi, ouais, qui se fera au mois de juin, les culturales. Tu me gardes une place pour la photo? Bah, Oli, ouais, si tu veux. Il y aura toute la place, je pense. S'il y a un apéro, peut-être qu'il viendrait plus vite. Ouais, je sème des fèves au potager. Il y en a qui sont bientôt, dans 2 mois, elles seront en fleurs, je pense. Et les autres, elles sont juste en train de naître. Ah ouais, c'est ça que j'étais en train de dire.
Bonjour Nelly. En formation, moi j'ai fait un bac STAV, après un BTS AXE et une année de certificat de spécialisation en technico-commercial. Aussi, pourtant les tomates, si elles sont adaptées, ils en font même dans le nord, alors en Charente, je vois pas. Ça dépend après des variétés. Les fèves, là, celles de mois de janvier, elles ont mis 3 semaines à net. Eh oui, il est encore en train de passer le grattoir. Faut bien préparer les guéris à tournesol, ça c'est vrai que samedi et ça allait top et dans le coup, dimanche matin, j'en ai fait 5 hectares. Ah ouais, t'as fait le même parcours que moi, Tank Size. Bah déjà, ouais, BTS, c'est pas mal. Merde, ça affiche les trucs. Bah, bonne soirée, Laurent. Merci d'être passé. Nissel dit à 15 jours. Oh, bah, devrait sortir dans une semaine ou 10 jours, Val, normalement. Oh ben j'en ai prévu 17 hectares de tournesol. Ouais, ben il pleut aussi, hein. Oh putain, mais c'est chiant que ça s'affiche les trucs. Ça peut pas laisser. Moi j'ai bien les piafs qui m'ont bouffé les petits pois l'autre jour, ils m'ont tout déglingué, c'est con là. J'étais obligé de mettre un filet. Et dans le coup j'en avais foutu dans les tunnels et ben ils sont sortis en 15 jours. Surtout n'hésitez pas. Bah ouais, j'ai le RTC, comme je disais à Olive une fois. Bah, soir, Olive, normalement, je vais passer sur ton live. Bah, canon à gaz, non, pour l'instant, j'ose pas acheter ce type d'engin parce que j'ai peur de me le faire voler. Dans mes tours de plaine, je sais pas si t'avais vu l'an dernier au mois de mai. Ben, je mets des effaroucheurs qui sont manuels. Ben ouais, les oiseaux, ils sont vraiment chiants. Là, cette année, ils ont bouffé quelques petits pois, là. Ça faisait 2 ans que j'étais tranquille. Mais là, c'était les étourneaux. Et ouais, pour Dimitri, non, j'ai pas le GPS et le RTC. C'est regarde ton capot et puis va tout droit. Bah, plus tard, Dimitri. Bonjour, l'élevage du 24. Bonjour, Gaïa. Ouais, je vous dis, dimanche 24, si vous êtes sur le CIMA à Villepinte, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y aura du monde, on doit être au moins une dizaine d'agri-youtubeurs et je pense que chacun va faire sa petite vidéo de ses visites. Il faut que j'aille au CIA, mais au CIA, j'aurai pas le temps de rencontrer du monde. Ça sera qu'au CIMA que j'aurai du temps. Ah mince, c'est dommage. Ah bonjour David, ça fait soleil en Suisse. Cela nous aujourd'hui, on a eu encore une bonne température. Le plus simple, c'est de connaître les chasseurs et de demander des réussir à tirer les oiseaux. Bah ouais, c'est con de pigeon, ouais. Et des tourneaux, faudrait demander, ouais. T'as raison, ouais, les chasseurs, ils peuvent le faire.
Ben, les vignes, moi je non, j'en ai pas beaucoup, mais oui, il y a le Cognassais qui est un peu plus au sud de chez moi, ouais, il y a pas mal de vignes. Y a le Cognassais, le Pinot et tout ça. On est déjà rendu à 20 minutes. Bon, si vous avez d'autres questions, sinon on va pas tarder à couper le live. Et je vous remercie d'être passé quand même, c'est sympa. Je pensais pas avoir tant de monde à cette heure-ci, vu le temps que ça fait dehors. Ah ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est le 6 juin, il y a un truc sur Poitiers, c'est les culturales. Je vais essayer d'y aller, je sais pas si Alex, toi tu auras le temps d'y aller. C'est au-dessus du Futuroscope. Des patates, bah ouais, j'en fais, ouais. J'espère que le 5 juin, on aura. On sera pas aux orges, je pense. Pas Alex, non. C'est en retard cette année, les orges. Bah merci d'être passé, l'élevage. Bah ouais, on se tiendra au courant, Alex, ouais. Ça sera sympa, je pense, c'est culturel. Pour une fois que c'est chez nous. Ouais, je pense que les orges aussi, ouais. J'ai pas encore foutu l'azote parce que ça sera. Ben, merci d'être passé, Val, à bientôt. Mais il a déjà fait deux lives, Alex, il va pas t'en. Oh, ah, jamais 203, comme on dit, mais bon. C'est lui qui voit. Mais là, YouTube, je sais pas ce qu'il a, il déconne des fois. Je voulais lancer le bordel. Oh là, il a planté deux fois, j'étais obligé de relancer. Soit c'est qu'il y a trop de monde sur le live ou. Enfin, sur la plateforme, je veux dire. Il faudra que j'essaye, ouais, de mettre dans l'autre écran l'autre fois, parce que là, c'est sympa, j'ai pu voir comment ça marchait en écran interposé, parce que j'ai tout le temps fait des lives dans le champ ou dans le jardin sans regarder comment ça marchait sur le PC. Il y a un petit décalage, par contre, j'ai eu, de 5 ou 6 secondes. Bon, si vous avez plus de questions. Je vous remercie pour tous vos abonnements et les petits pouces, ça fait plaisir parce que ça fait référencer les vidéos. Et samedi, une big vidéo parce que j'ai pas réussi à faire plus court. Il y a 19 minutes de présentation du matériel et pourtant j'ai pas tout présenté. Et vous verrez ça samedi. Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée et merci pour le cap des 800 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à dimanche pour ceux qui seront au CIMA et à samedi pour ceux qui vont voir la vidéo.